Il y a 17 ans, il y avait la société, les Popanas avait un groupe de steel band. Et c'est ce groupe qui a lancé, en fait, comme il n'existait pas encore en Suisse romande, a lancé ce festival. Le succès de ce festival, c'est parce qu'il y en a très peu en Suisse. On est actuellement le plus grand festival de steel band en Suisse. C'est le seul en Suisse romande. Et donc, je pense qu'il y avait un manque parce qu'il y a quand même 120 groupes de steel band. Donc, c'est quand même une musique qui marche bien en Suisse. Donc, il n'y aurait pas de festival pour vraiment jouer cette musique. Alors chaque année à Coup de Refin, chaque année à cette place idyllique, on a chaque année le beau temps et on a entre environ 2000 spectateurs, entre 2 et 3000 spectateurs. Ces instruments se sont anticipés, on va dire, par les esclaves en Trinité et Tobago. En fait, ils ont sculpté ces instruments, façonné ces instruments, c'est des tonneaux d'huile qui vient de l'industrie pétrolière. Et donc, ils ont commencé dans les années 30 vraiment à faire des instruments avec ça et à jouer à toutes les mélodies possibles et imaginables. Les genres de morceaux, c'est du jazz, de la musique classique, du rock. On peut jouer vraiment tous les morceaux sur ces instruments. Dans chaque groupe, il y a un connaisseur qui écrit, qui réarrange en fait les morceaux pour le steel band. Il faut aimer la musique, avec la motivation et de la passion, on peut jouer tous les instruments, donc le steel band, c'est la même chose. Cette année, pour la première fois en Suisse, nous avons un groupe de Paris entièrement professionnel, les Panache Steel Band, et un groupe aussi d'Angleterre, les North Steinstein Steel Band, qui viennent de Londres, et donc qui vont jouer ce soir dans ce festival. Et on espère pour les autres années, on va avoir plus en plus de groupes étrangers qui vont venir jouer au Steel Band. On est un steel band qui vient de Paris, on s'appelle Panache Steel Band. On a fondé le groupe en 2001 et on est 6 ce soir à jouer.
et c'est une équipe variable, on joue jusqu'à 12. On essaye de jouer toutes les musiques, voilà, pour tout présenter avec cet instrument. Du classique, des reprises de jazz, du calypso, qui est la musique traditionnelle de Trinidad. Voilà, pour montrer un peu l'étendue de l'instrument, du solo, duo, trio, jusqu'à l'orchestre complet. Alors c'est vrai que pour un profane, vu de loin, on dirait des vulgaires tonneaux d'huile. Hein. Ouais. Et finalement, c'est des vrais instruments qui sont accordés comme un piano presque. Exactement, bien. Exactement. C'est un instrument qui est fait à partir d'un baril de pétrole, qui est embouti et façonné à la main par un artisan qu'on appelle un tuner dans le jargon des steel bands. Et c'est vraiment, c'est accordé, c'est juste, c'est-à-dire que le la ou le do d'un de ces instruments va être le même que celui d'un piano, d'une guitare. Ou... Alors on peut jouer cet instrument hors de son contexte de steel band avec d'autres formations. C'est vraiment un instrument à part entière. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré vers cet instrument-là ? C'est le premier instrument que j'ai commencé, donc ça a été l'instrument et la musique qui est allé de pair avec, voilà. C'est quelque chose, quand vous entendez un steel band pour la première fois, voilà, ça vous prend au trip, ça vous parle direct, et voilà, si ça vous attrape... Mais vous, vu votre âge, on pourrait imaginer que vous seriez d'abord plutôt attiré par le rap, par le hip-hop, non ? Mais j'écoute du hip-hop aussi, j'adore le hip-hop et le rap, mais ça n'empêche pas. Peut-être plus profond cette musique, parce qu'il y a quand même toute une philosophie, toute une histoire derrière. Il y a une histoire, ouais, très forte derrière cet instrument. C'est le seul instrument, je pense, à avoir une histoire comme ça, parce que c'est un instrument qui vient vraiment des quartiers pauvres de Trinidad et qui a été inventé à une époque où c'était très violent Trinidad. Il y avait beaucoup d'interdictions et ça a été inventé par une population qui était vraiment à part dans la société, qui était mal vue, qui était un peu les voyous et les pauvres, quoi, dans la société à Trinidad. Et ils ont réussi à inventer cet instrument avec, à la base, rien de la récup, puisque c'est un bidon de pétrole. Et à la base, ça a commencé sur des poubelles et sur des cloches en métal. Et ils ont ensuite découvert qu'on pouvait accorder le métal et développer un instrument avec. Donc c'est vraiment unique parce que c'est né de la rue et vraiment d'un esprit de récupération, quoi.
Alors, parlez-moi un petit peu de votre groupe parisien. C'est un art musical pas très fréquent en France. Pourquoi ? C'est surtout parce que l'instrument est assez récent, donc forcément ça met du temps à démarrer. En France, c'est le conservatoire, c'est les partitions, c'est la théorie musicale, alors que justement cet instrument permet de faire jouer des gens qui n'ont jamais fait de musique, en ne parlant pas du tout de notes, de solfège, de partitions, de quoi que ce soit. On essaye de faire comme à Trinidad et d'apprendre aux gens à jouer directement en regardant les gestes, en écoutant, en mémorisant les mélodies, le rythme. Donc c'est aussi une approche d'enseignement qui est assez ludique, positive. Ça donne envie aux gens de faire de la musique alors que peut-être ils n'auraient pas fait la démarche d'aller dans un conservatoire. Voilà. Donc on peut dire une musique qui s'adapte, qui s'adapterait bien aux banlieues finalement, à des gens qui n'ont pas trop de moyens. Tout à fait. D'ailleurs, ça se fait pas mal en France. On essaye justement à Paris de recréer un peu ce qui se passe dans les quartiers à Trinidad. Il y a notamment un professeur qui vient de Calypso Association et qui s'occupe de... Il s'appelle Alain Rouault et il s'est occupé d'aller justement autour de Paris, un petit peu dans chaque quartier où les jeunes n'avaient pas grand-chose à faire et puis d'essayer de les intéresser à cette musique. Et il a réussi à réunir comme ça jusqu'à 120 musiciens tout autour de Paris. Et donc ça marche aussi, ça marche partout en fait. Peut-être ça va prendre encore un peu de temps, mais petit à petit ça vient. Vous pensez que c'est une musique qui serait finalement un excellent outil de réinsertion ou de réintégration sociale ? Ça a été expérimenté aux États-Unis avec le père d'Andy Narell, a fait venir Ellie Manette aux États-Unis, justement pour, dans les quartiers défavorisés aux États-Unis, recréer cette notion d'appartenance à une bande, de créer un groupe. Et après toutes ces années, après une génération, 25 ans, 30 ans, maintenant il y a du steel band dans toutes les universités, dans beaucoup d'universités aux États-Unis. Même les conservatoires s'ouvrent et essayent de créer des classes de steel band. Il y en a à Lille notamment qui essaye de faire ça, avec Laurent Lalsinguet là, qui s'occupe de Panache, qui fait les arrangements des morceaux. Et il va enseigner à Lille au conservatoire pour monter des classes de steel band. Donc c'est le début, mais on est sur la bonne voie, il faut espérer.
Can you introduce you to the TV? Well, myself. I'm Corinna Atkinson and I'm from North Tyneside Steel Band. And can you speak about your group, your band, Steel Band? The band have been running around about, it's our 20th anniversary year this year, and as a celebration we've taken 10 of our players to come over here and play at the festival in Coudrefin. The band was set up about 20 years ago by Dave Edwards, who was from the London area and then came up to the North East, and there was no steel bands in the North East in England, so he got us started, and that's where we're from, North Tyneside. So about 20 years ago we were set up. And in 20 years, this is where we've got to here today. Ils ont commencé il y a 20 ans arrière. C'est une banlieue qui vient du nord. Et c'est la première fois qu'ils viennent jouer au festival de Steel Band à Coudrefin. How is famous Steel Band in England? You can find a lot of bands. The big bands are all down in London, and we're very rare because we're one of the very few outside of London. What you tend to find is that the majority activity sits down there, and all the big panorama bands are down there, and they don't think that there's life outside of London in terms of bands, and so when we came along in the northeast and there was this band that sort of got up and got running, I think we've sort of given people a bit of an eye-opener that Steel Pans is alive across the whole of England and not just in London itself. We played at the Royal Albert Hall last year in London, and I think that was a bit of an eye-opener to some people that it's not just for Londoners, but that the rest of the country can do it too. Ce style de musique est surtout connu à Londres, mais ils essaient maintenant de plus en plus de montrer que c'est pas seulement à Londres, mais aussi ailleurs. Et l'année passée, ils ont joué en fait dans un festival à Londres où les gens ont pu voir en fait qu'il n'y avait pas seulement à Londres qu'il y avait le Steel Band, mais que ça s'ouvrait aussi dans toute l'Angleterre.